Le Conseil des ministres. Comme toutes les semaines, le rendez-vous de ce mercredi 16 mai 2012 a été respecté. Une fois encore, cette rencontre des ministres avec le président de la République, Alassane Ouattara, ne s'est pas départie de ses principes de rencontre de grandes décisions. Pour ce faire, la réalisation de logements économiques dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire a été l'un des sujets sur lequel le Conseil s'est prononcé favorablement. La construction de 5000 logements sociaux et économiques à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, sur Abidjan, il y a des plans de construction de logements sociaux, économiques. Mais par contre, il n'y avait pas jusqu'à maintenant de solution proposée pour l'intérieur du pays. Donc là, il a été proposé pour un certain nombre de villes de l'intérieur du pays. Ça concerne un grand nombre de villes, dont Yamoussoukro, Bouaké et San Pedro, où des chantiers plus importants sont prévus. Mais c'est à peu près une centaine de villas, une centaine de logements pour toutes les autres villes principales de notre pays. Donc pour permettre au cadre de ces villes-là, pour permettre aux fonctionnaires d'être correctement logés. Et nous pensons que c'est un projet qui va là aussi apporter du développement et du bien-être dans nos régions. Outre cette décision sur la réalisation de logements sociaux, d'autres préoccupations, notamment la sécurité, ont fait l'objet de décrets et projets de décrets. Le Conseil n'a pas fermé ses portes sans prendre son prochain rendez-vous pour la semaine qui va suivre.